matin-là, Tico s'en allait belle heure pour se promener. En passant devant un tas de chiens, il y prend l'envie de s'encurieux dessus. Un fée arrive sous le haut du temps, il se groume, Tico, il se redale, il se pitche en regardant de droite et de gauche. Et puis, il se mit à Grette. À Grette, à Grette, à Grette, à Grette, à Grette, à Grette. Et voilà Tico qui trouve un boursier de pièces d'or. Madame Tico ne fut pas longtemps à l'attraper son pigot. Il s'en dit dessus le tas de fumier et il s'en allait. En passant devant une ferme, la fermière que te l'a, vit Tico qui passait autre chose dans son pigot. Au huchi dessus. Hé, Tico! Tu t'as dans ton pigot! Tico s'arrêtit, il la regardit, il s'aperchit et il lui dit « Est un boursier de pièces d'or. » Oh, la fermière se disait que la boursier là a reuté aussi bien dans sa pochette. On lui dit « Regardons-le bien, grain de Dieu que j'ai dans ma main, bien jaune. Tu vas me donner ta boursée de pièces d'or et je vais te donner une poignée de bons grains. Ah, oh, donne-nous-la, que dit Tico, la boursée là est à mes, je vais la garder. Oh, me regardons les belles galettes que je fais un matin. Il y en a une qui est plus grande que les arbres et pour thé. Non, ni, que dit Tico, je ne te donnerai pas ma boursée, ta mes. Tu sentis le bon pain que j'en fais un matin. Il est encore tout chaud. Je vais t'en donner un bon tourté. Regardons comme il est mouflant. Tico commence à regarder le tourté de pain. Il sent bon. Il commence à pigosser dedans. Ça te bon. Tico, donne-y sa boursée de pièces d'or. Compte un morceau de pain. Eleve-la partie sur le chemin. Il te benaise. En arrivant au poulailler, percute là. Il fait Tico qui ramène ce grain de vieux parce qu'il n'avait mangé sur le chemin, la moitié de galette, et le tourté de pain. Il demande à Tico, mais comment que ça se fait que t'as tout de là, t'es... Tico lui explique la ferluseille. Oh, v'là Perco qui monte dans son pomme de pomme, grand dieu, grand bedin. Comment que ça se fait que t'as donné ta fortune pour un morceau de pain? Tu vas me faire le plaisir de retourner de où est-ce que tu viens et tu me ramèneras la boursée de pièces d'or. La petit coup, parti, sur le chemin, tout pitou. Tico marche sur le chemin. Il est bien triste. Il sent les fleurs. Il entend les oiseaux, ça lui fait du chaud au cœur. Et il cherche une idée. Il avance doucement.
Il entend un bruit. Ah, mais te voilà, toi, compère renard. Viens, viens là. Approche. Tu vas m'aider. J'ai un problème, tu vas m'aider. Et si tu m'aides, je vais te donner une pièce d'or. Ouais, pour une pièce d'or, je veux bien. Je dois faire quoi pour t'aider? Eh bien, tu vas rentrer dans mon ventre. Rentrer dans ton ventre? Mais je suis trop gros. Non! Tu vas te transformer en grain de millet. Et après, je t'avale. Le renard se transforme en grain de millet. Et tac, Tico l'avale. Il reprend sa route. Il a bien une idée. Il commence à avoir une idée là. Et il reprend donc sa route et il faut trouver encore des partenaires. Donc il marche. Ah mais, hey, toi qui es derrière là, là-bas, là, 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 oui toi. Mais c'est ton père le loup. Viens. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, ton père le loup. Peux-tu m'aider? Mais tu auras une pièce d'or si tu m'aides. Je veux bien t'aider pour une pièce d'or. Alors voilà. Tu vas rentrer dans mon ventre. Dis le loup. Rentrer dans ton ventre. Mais tu plaisantes. Je suis bien trop grand. Ah, tu vas te transformer en grain de blé. D'accord? Loup. Transforme-toi en grain de blé. Et hop, Tico l'avale. La nuit n'est pas encore tombée. Tico a toujours une idée. Il va auprès de la rivière. Il est un peu fatigué. Il se dit, je vais me reposer. Et la rivière lui dit, Tico, hey, tu as l'air bien songeur, Tico. Que se passe-t-il? Il fait un grand soupir et lui dit, j'ai besoin d'aide hier. On m'a volé ma bourse d'or et peut-être tu peux m'aider. Et puis je te donnerai une pièce en argent. Ou même en or si tu veux. D'accord, je veux bien t'aider. Tu vas rentrer dans mon ventre, rivière. Mais Tico, je suis trop grande, trop grosse. Tu vas te transformer en grain de sable. Et après, je te mange. Rivière, transforme-toi en grain de sable. Mange le grain de sable. Le voilà bien rempli, son idée est bien dans sa tête, et il monte le chemin pour aller retrouver la fermière dans sa ferme. Il voit un billot de bois, il monte dessus, et voilà notre Tico qui s'effocaille. Hé, fermière, rends-moi ma bourse d'or! Rends-moi ma bourse d'or! Rends-moi ma bourse d'or! La fermière sort de la maison. Qu'est-ce que c'est encore celui-là qui me dérange? Ah, c'est encore Tico qui crie! Veux-tu te taire? Elle l'attrape par le cou. Elle ouvre la porte du poulailler. Le poulailler où il y a 4 vieux coqs qui attendent pour être mangés. Elle le jette dans le poulailler. Et elle referme la porte. Et alors, c'est la catastrophe. Quel vacarme!
renard. Toutes ces poules, toutes ces coqs qui tournent autour de moi, aide-moi. Et à ce moment-là, le renard sort du ventre. Petit con. Et donc, de nouveau, un vacarme pas possible, encore plus que tout à l'heure. Là profite du trou pour s'en aller sans se retourner. Il a mangé tous les coqs. Et au petit matin, dans le silence de la cour de ferme, on entend Tico qui chante et qui salue le lever du jour. Sortit de son gosier
Tico s'envolit. Esposi sur le bord de la fenêtre. Il cherche sa bourse d'or. Jeti à gauche dans la chambre. Le lit est flotteux, tout dévarineux. Poule Yao, on nous raconte l'histoire de Tico.